Bonjour à tous, voilà, nous voici dans la serre. Donc on va finir de préparer le sol. Hop, donc j'y pense, je regarde, vous voyez. On commence à bien faire le tour. Et bien les enlever pour pas qu'il en reste. Parce que de toute façon, comme j'avais expliqué, souvent quand on regarde sur les côtés ici, on trouve des limaces qui s'enterrent. Donc là, j'ai mis, vous voyez, du broyat. Parce qu'ici, on va maintenant nourrir la terre. Je vais commencer à faire, voilà, pour vous montrer. Voilà. Ça, c'est de la bourrache. J'en veux plus. Comme je vous avais montré, ici, j'ai fait un bac pour les fleurs. Je vais vous montrer. Et voilà, ça commence à sortir. Et ici aussi. Alors là, normalement, c'est un tournesol, ça. Qui pousse, vous voyez. Ça aussi. Vous voyez là. Voilà, on va voir, et puis s'il en manque, j'en rajouterai. Vous voyez, la bâche, elle est crade. Donc, oui. Donc, il y a toute la bâche à nettoyer aussi. Mais d'abord, je vais faire le sol. Parce que comme j'ai là-bas mes sacs de fumier, voilà. Donc, je vais mélanger ça. Avec du fumier d'algues, voilà, cheval et d'algues. Donc je vais étaler partout. D'abord, on va commencer par là-bas à enlever ça. Voilà, donc j'en ai mis partout là, vous voyez, je vais mélanger avec ça. Donc j'ai tout recouvrir ici, mais je vais mettre juste en surface. Et après, je vais arroser. Là, il fait super beau aujourd'hui, on en profite. Voilà, 20 degrés, un peu plus de 20 degrés dans la serre. Allez, on va attaquer ça. Et voilà ce que ça donne. Donc on voit, il y a le broyat et j'ai mélangé avec du fumier que je laisse en surface. Et on va bien arroser la terre maintenant. De manière que ça s'incorpore tout seul. Ça nourrit la terre. Donc je vais vous montrer, voilà. Voilà, c'est avec mon jet comme ça que je vais faire. Je vous reprends. Hop, excusez-moi. Et voilà. Vous voyez, on va faire comme ça la bâche aussi. Donc ça va arroser les fleurs, vous voyez. Et bien arroser la serre. Voilà. Je finis ça et on va continuer après. Voilà, j'ai bien arrosé. On voit un petit peu, vous voyez. Voilà, pour que ça fermente et que ça se rende dans le sol. De toute façon, avant de mettre les cultures. Faut que je fasse, j'ai un plan que j'ai fait et donc après il faut que je mesure. Vous voyez, le grillage, après je vais le descendre. Là maintenant je vais pas rentrer dedans, on va s'occuper de la bâche. Vous voyez, ici. Voilà. Ouais. Il fait super beau aujourd'hui, on en profite. Allez, on va attaquer. Et voilà, fini. Vous voyez. C'est tout propre. On voit la lumière entrer dedans maintenant. Donc ça va pouvoir être bon.
Voilà, fini pour aujourd'hui. Après, j'aurai jusqu'à descendre le grillage. Ouais, il fait toujours 20 degrés, donc j'ai laissé la porte ouverte. Donc j'ai passé le karcher à l'intérieur ici et à l'extérieur. Nickel, voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye, à bientôt.